La vieillesse est un naufrage, disait le général de Gaulle, et il avait raison. Et on se noie dans ce naufrage. Qu'est-ce que tu n'as plus d'activité professionnelle, sauf exception. Tu n'as plus ce que tu avais à fournir, tu l'as fourni. Tu perds tes moyens, tu deviens plus fatigué. La vieillesse est un naufrage, c'est survivre pour survivre. Et quand le plaisir à survivre devient nul, eh bien on meurt tranquillement. Mais tout va bien, c'est pas une catastrophe nationale. Dis-moi ma chérie, tu m'as apporté des cigarettes comme je t'avais demandé. Tu fumes mes vis. Je le garderai peut-être pas. Ne garde que ce qui me flatte, ne garde pas ce qui me met en tristesse et en noyade, puisque c'est un naufrage. Alors allons-y. C'est un étouffe chrétien de première. Et quand j'en ai fait à mes enfants, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur que tu peux manger ? Pas tellement que tu nous en as jamais fait. Bon. On prend un demi-kilo de pommes de terre cuites la veille, qu'on va écraser. On y va, on va le faire ? Allez. Je te le lis d'abord et puis ensuite on va le faire. Que tu saches où nous allons. Tu veux bien ? Alors, d'abord un demi-kilo de pommes de terre. Voilà, 200 grammes. Ils disent 500, mais c'est pas grave, t'en fais pour moins que ça. Pour 500 grammes de quoi ? De pommes de terre. C'est 300, hein ? 250, je crois, mais oui, 300. On le fait exact ou pas ? On le fait comme tu veux. J'avais 300, mais si, je vais avoir assez. Là, j'ai 350. 200 et 150, ça fait 350. Allez, 350. On va arrondir. 100 g de farine, un peu de sel et un œuf entier. Bon, du beurre. Là, ils disent 30 grammes. On va mettre. Bah, tu mets 20. On met 20. Tu veux pas t'asseoir pour mélanger ? Tu veux pas le faire à la main ? Comment ? Tu veux pas le faire à la main ? Si, je mets. Arrête-toi. Bon, ça, on va le laisser reposer. En principe, ça doit se reposer plusieurs heures. On va le laisser reposer un tout petit peu. Il y avait un endroit dans ce monde où il y avait un cendrier. Ça veut dire que tu peux aller le chercher, s'il te plaît. Non, c'est pas la peine. Je peux mettre mes cendres là-dedans. Ouais, t'es un peu punk. À quoi ça sert les vieux maintenant ? On leur a prolongé la vie, et qu'est-ce qu'on va en faire ? Quand on arrive à 65 ans, à l'âge de la retraite, les gens meurent d'ennui. Ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Dans leur vie active, ils n'ont pas eu le temps de se consacrer à leur hobby, à ce qui les intéressait vraiment. À 65 ans, est-ce qu'ils ont encore envie de les reprendre, ces hobbies ? Bon, il y a ceux qui aiment la pêche à la ligne. Alors, ils sont sauvés. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est vieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai trouvé la... De la cuisine ? Non, pas du tout. Pratiquer. Il vaut mieux avec moi. Oh, il y a 2-3 plats que je sais faire, moi. Il ne faut pas exagérer. Lesquels ? Je sais faire le couscous de ma belle-mère. Et je le fais très bien. Je sais encore vaguement faire de la carpe à la juive, mais ça plaît. Personne n'aime ça, surtout pas mes enfants. Alors c'est sans espoir.
Donc j'y renonçais définitivement. Et je fais des couscous qui ne sont pas de ma religion. Mais j'ai été couscous colonisée. On a toujours du succès avec un bon couscous. Essaye d'avoir le même succès avec une carpe, tiens. Tu en as pas marre de filmer ce vieux machin? Ce vieux machin du rebut. Ça a l'air très appétissant. J'en ai pas fait beaucoup. Miam, miam, miam. Mais puisque tu ne sers pas à transmettre de la bonne cuisine, vu que tu n'en fais pas très bien, ouais. Tu sers à quoi? Moi, à rien. Tu peux pas dire ça. À strictement rien. Et voilà. Et ben toi, tu sauras faire les Marienknödel. Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à ce que mes enfants n'ont jamais aimé dans ma cuisine, que j'ai jamais pu faire. J'ai donc jamais fait de cuisine autrichienne, du tout, du tout, du tout. Maintenant, il faut débarrasser la table, ce qui est ennuyeux. Je vais le faire. Hein? Je vais le faire. D'accord. Tu t'es pas fait prier, hein? Non. Je me suis pas fait prier. Ça, tu vois, c'est 10 ans de vie que tu me donnes.